going to just don the honor. Yeah, segu de dum zom mai deni wara roro ge danu ganem. Agwa ya no wonder de gadara tsra wi ha. Dana dus de zero zuzi wa gare so. Anguri hunya kana dakta ezot kudina gerenyo thon di jadora de. Dum zom yo snore an dayo kwa de. Yot kweni es yo kan heya de. Kaya tanoru ne giga de hum tanega. Onik tia de wadiri hua kwen yas tage ne sa oyera. Denak totas aun dasa de sanuni toganze sadowate andewadu nege negario tanunya wadora tujera to onetia setari dinume guja darorox negundirio diosumagaru de the what's gone hukwa di hatsque mwasti de hum tanega ga iwesque. How ki oya zijat kar harda. Kaan to zat kar harda. Kaan ka niyot. Yo yanere, how jade nyanda ne zaha gariyo dawana ye deniyena jini gariwa suginir harde. The it's the newest is an honor. Yeah, Kayangre Danu Gahure Aunaya Anga Daksa de Neganehum. Negi Gaskayada Gesnu Sage Angat de Zianjena. Onakis cana soon a ange. Toga Oskenun do Ayungeniga and Wadego. Taguaderoro. Tamoga the Hujo say on the Genigura di Hato. You are serious. You're younger. Ona, then you're a kid. You know, hold the day of the Jatka Zera named Karharakwa. Yama. Tim jatum zoni sego, nekti yate zugini nakto de. O nekti de deni zaru anja dora de.
toga idenere ya daide nokta. Ya te wag der ya dare. Koye takwa taza dade tak ni nize. Aunza ka kede ona. Kana dogu? Ona awa ne. Otku. Yeah.
A guahua gets honey, gay. Was getting yaga, de. Yawa. I'm the Jatandi owner. I always see Ronaja gay who didn't go rayanda, ne. Dinojera ya ezo de etienatum. Next yato deot. Oh, neot. Rat dukawa hagari hunya. Gaderian, Dare, these are the Hoye wash on a Jera dia, Garhag on Chedeweta. On a Jera dia, de a tia jat dara near it, ne oya ganyoke haga di waterio. Uma wasundade donza deri hua seraguase. Yohunja no runge, yunga de nadaya, danune, ha a junga deri wayani, ne. Ayetia se doni sege unjunhunza. Arahaja di dogane gando, ayetirihu ne ukiswas, saha o disasta sereanda ne. Yunguadora is in a ton ayadewa yer hage. Yunguayato darhe un zino gayera, ne deeti swat neda. Danu ne dogat ton o de wire, yot deru ayunguajonha se. Onu jera di toni ori hawana ne ai de wada den hodu. Ona hoda tiga. Anne? Bienvenue, gardien. Es-tu un esprit? Tu peux m'appeler ainsi. Où suis-je? Tu es toujours au même endroit. Si tu veux savoir ce que tu vois, on l'appelle le Nexus. Grâce à lui, des probabilités sont calculées afin que le bon chemin soit choisi. Quel chemin ?
Le tien. Suis-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai choisi une forme familière à ta culture, afin de faciliter la navigation. Nous attendons ta venue depuis des millénaires. Toi, tu dois lui donner le dernier fragment, afin qu'il puisse ouvrir la porte. Je ne comprends pas. C'est inutile. Je sais que mes mots te font souffrir, mais telle n'est pas mon intention. Tu es important, mon enfant, bien plus que tu ne peux l'imaginer. En ce moment, des forces s'assemblent en secret pour s'emparer de vos terres. Si elles y parviennent, le sanctuaire sera violé. La lignée est spéciale. Le passé, le présent, l'avenir. Beaucoup sont reliés à toi. Des hommes qui ont changé le monde. D'autres qui vont le changer. Et toi aussi, tu le feras. Je t'ai fait venir ici afin de te révéler ton devoir. Tu dois protéger le sanctuaire de ceux qui veulent défaire la trame de notre œuvre. Quel sanctuaire ? Quelle œuvre ? Conserver ta trajectoire actuelle aurait des conséquences néfastes. Un accès prématuré déstabilisera la région. Ton village et ton peuple seront détruits. Que dois-je faire ? Tu vas te rendre auprès d'un homme qui saura t'entraîner. Recherche le symbole. Tu te poses beaucoup de questions. Seul le temps y répondra. Pour l'instant, tu dois obéir. Plus tard, tu m'aideras. Radun hagedun, got nowhere. Got nowhere ni satka to tiga gari wayerunitstun. Adun heads wagena duni. What garo di rungwe dayajadatka, hagena dunhase o nio di akande. Datune tiga runungwe. Easy not gahanda di tunas. Gari was siwagaderiandre. Tanu easy gi oni. Arahaja diza detni gorizu ne dosa seriwayena. Yungar haratstune ayede wadunhu januna. Nexti da sheri de nitnise. De ot den yung haje on hunjage dano ya taondo a yung guada se tunhage. Ya ka a tagit skodage dano agader hara dene ay de wak wadakne. Wak gunya to dari sigi o wadu era ose de. Oh nu jera di desaderi huadeniani. Aze gunya tak gweni da guri huadeni. Yahasa giga.
Seriasa doga, nekti gets hani sudi ezos are harde. Was says akane gari huayronitstu, satahatsori. Quitter mon foyer a été plus difficile que prévu. Je pensais que ce voyage allait m'emplir de fierté, d'un sentiment de réussite. Mais ce qui m'avait poussé à quitter ma tribu s'est vite évanoui, chassé par les questions et les doutes. Avais-je agi trop vite? Avais-je commis une erreur? Les gens du village pensaient que j'avais toujours voulu partir, que ma décision était réfléchie. Mais ils se trompaient. Non. Ce choix n'a jamais été le mien. J'ai été poussé à partir, obligé, car si je n'agissais pas, qui d'autre le ferait? Dégagez le passage! Rattrapez-le!
Bonjour. Bonjour. Tu dois être un de ces indigènes de la tribu. Comment s'appelle-t-elle? Les Iroquois. Ouais. C'est ta tribu? Quoi? On m'a dit que vous m'entraînerez. Non. Fiche le camp. Je ne partirai pas! Il me faut un endroit pour camper. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. S'il vous plaît, accordez-moi juste un peu de temps. Pardonne-moi si je n'ai pas été assez clair avec toi. Mes paroles t'ont peut-être perturbé. Mais comme je n'ai jamais eu l'intention de te tromper, je veux être précis. Fiche le camp de mes terres. Je vais grimper! Mais écoutez-moi, qu'est-ce qui vous fait si peur? Peur? Je te signale que je n'ai peur de rien. Encore moins d'un petit morveux suffisant comme toi. Oh, tu rêves de devenir un héros, hein? De sauver des pauvres âmes, et même le monde entier. Mais si tu continues, la seule chose que tu deviendras, c'est un cadavre. Le monde évolue, petit. Suis son exemple. Je ne partirai pas, vous m'entendez? Je ne partirai jamais. Tends un peu, vieillard.
Je ne m'avoue pas vaincu si facilement. C'est qu'un vieux fou. Ce sera facile. C'est ce que t'as dit l'autre fois. Mais j'ai perdu mon cheval et gagné un œil au beurre noir. Qui êtes-vous? Des gens dont les affaires te regardent pas, petit gamin. Tu feras mieux de filmer avant de te mordre les doigts. Non. On t'avait prévenu, petit. Qu'aggraver ton cas. Pourquoi êtes-vous ici? Que venez-vous faire? Demande ça au patron. Tu travailles pour le vieux, toi, c'est ça? Peut-être que ça va te délier la langue. Oh. Merci. Nettoie-moi ça. Et puis, nous avons à parler, toi et moi. Pardon. Ce n'est rien. Cet endroit ne demande qu'à s'écrouler. C'est un miracle qu'il tienne encore debout. Mais toi, qui es-tu? Je m'appelle Radoen Gelon. Je vois. Eh bien, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. On m'a dit de chercher ce symbole. Sais-tu au moins ce que ce symbole représente? Sais-tu ce que tu me demandes? Non. Et pourtant, tu es là. L'esprit a dit que j'avais... Les esprits de ton peuple harcèlent les assassins depuis des siècles. Depuis qu'Ezio a frotté la lampe. Ah, mais tu ignores tout de ce qu'est un assassin, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de t'asseoir, parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter va prendre un bon moment. Et voilà pourquoi les assassins ont pour mission de traquer et de tuer les Templiers. Parce que s'ils parviennent à leur fin, les visions de ton esprit vont se réaliser. Alors je les arrêterai. Je ne doute pas que tu essaieras. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Oh, attention! Je ne plaisantais pas quand je t'ai dit que cet endroit tombait en ruine. Pourquoi vous ne le réparez pas? Oh, à quoi bon? Je ne dispose même pas des matériaux nécessaires. Achetez-les. Non mais tu m'as bien regardé. Tu m'imagines débarquer dans un magasin déballant ma bourse pour faire des achats? Oui. Pourquoi? Tu es si naïf. Par ici.
Ne crois pas qu'il te suffit d'entrer ici et de revêtir ses habits pour devenir un assassin. Je n'aurais pas osé. Oh, je comprends. Cette tenue a une certaine allure. Très bien. Je vais te former. Et nous verrons si tu es digne de la porter. Merci. Achille. Bien, suis-moi. Nous avons fort à faire. Tu n'es rien. Un grain de poussière, toi et toute ton espèce. Vous vivez comme des bêtes, sans vous soucier de comment tourne le monde. Que veulent les Templiers? Ce qu'ils ont toujours voulu. Le pouvoir. Les colonies offrent une vraie opportunité. La possibilité d'un nouveau départ, libéré du poids du passé. C'est pour cela qu'ils soutiennent les Anglais. Ici, ils ont la chance d'illustrer les mérites de leurs croyances. Tout un peuple au service de l'ordre et de la discipline. J'ai vu ce qui allait arriver s'ils y parviennent. Ils doivent mourir, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier. Même mon père. Surtout ton père. Il est la clé de voûte de leur organisation. Je me suis entraîné à courir, à grimper, à combattre, à tomber. Et pour chaque leçon destinée au corps, il y en avait deux consacrées à l'esprit. Langue, philosophie, logique, les arts. Achille m'a tout appris sur les assassins et les Templiers, leur organisation, leur origine et leur but. Des siècles d'histoire résumés en quelques jours. Je lui ai parlé des hommes qui avaient brûlé mon village. De Charles Lee et de la promesse que je lui avais faite. Achille m'a expliqué que Lee et ses hommes étaient tous des Templiers, et que leur chef n'était autre que mon père. Si je devais servir l'ordre, ces hommes deviendraient mes cibles. Alors j'ai redoublé d'efforts et de hargne. Mais malgré tous mes progrès, j'ai compris qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Ma formation ne faisait que commencer.